On est arrivé ce matin par le train de nuit. On a atterri à 10. On a fini la nuit dans la gare. Un peu, parce que bon, de toute façon, il faisait nuit, quoi. Et à 7h, on a quitté la gare pour s'avancer vers le col du Rousset, où on a fait du stop. Quelqu'un nous a monté directement au col, parce que c'était pas très intéressant, c'est 20 km. Et donc voilà, on est parti de la station du col du Rousset. On est monté tout en haut. Et là, on est sur les crêtes. Et on avance vers le plateau du Vercors. Voilà, et la vue est assez ouf. Il fait super beau. Donc on n'a pas encore besoin de raquettes. Peut-être on en aura besoin sur le plateau. Pour l'instant, pas tellement. Ouais, lui il fait qu'un 2 minutes de toute façon. J'en plie le pot, on le ramène plein comme ça. Bon, c'est parti. Et quel pli. Super. Dès qu'on joue à 3 alors. C'est clair. C'est chaud. On a tout ouvert là. Je sais plus. Ah bah non. Non non. Bah non. Voilà. Celui-là vous savez à peu près. Voilà. Imagine on te le coupe alors là. La loose. Bah de toute façon. Voilà. Ah, t'auras fait quelques jolis pieds. Hein. Tu vas faire des vis de choses. Non il me reste plus que 30 points à faire. Là. Deuxième jour, on a quitté la cabane de préparer ce matin, on a passé une super soirée et là du coup on s'est fait un petit détour mais on file tout droit vers la cabane de Chamaillou et du coup comme on est hyper rapide, on va être à Chamaillou pour le déjeuner et puis après on aura l'après-midi pour se reposer, faire une sieste, cramer au soleil et aller voir les grottes et aller voir les grottes des résistants. Ouais. Non mais il veut voir par l'affiche, il veut pas voir l'affiche, il veut voir les trains. Non mais oui, mais s'il y a des affiches, ça veut dire qu'il y en a nous dans nos forêts. Moi j'en ai vu plusieurs fois des affiches, ça veut dire qu'il y en a. Ils mettent, des fois ils ferment, ils disent là c'est protection du trafic, il faut pas y aller. Bon ben, pas de partout, il y a pas que dans. Troisième jour et dernier jour, on a décidé de rallonger un petit peu le parcours et de rejoindre le pied du Mont Aiguille avant de redescendre dans les différents villages. Et donc on va à la recherche d'un arbre. Il y a une forme de baobab, c'est ça. On est en plein dans la neige, donc tout est logique. Et on ne l'a pas vu hier, donc on va essayer de le trouver aujourd'hui, ce serait quand même pas mal, c'est l'objectif du jour. C'est un peu l'objectif du jour, voilà, et puis réussir à redescendre avant 19h à la gare. Mais bon, ça je pense que c'est atteignable. Ce qui nous laisse donc 10h avant notre train, je pense qu'on va s'en sortir. Le fameux arbre taillé. Eh ben on l'aura bien mérité.